L'Institut gabonais d'appui au développement vient de livrer sa première cuvée composée de 22 récipiendaires baptisés Christian Ngweassoumou. Tous sont désormais acteurs professionnels et outillés du paysage agricole national. Yannick Menga était sur place. Cette promotion, baptisée Dr Christian Ngweassoumou, se compose de 22 récipiendaires désormais techniquement outillés dans la culture maraîchère. La cérémonie de remise de certificats de formation marque la fin de leur apprentissage et le début de leur aventure entrepreneuriale. Vous avez choisi un métier noble, un métier qui nourrit l'être humain. La nourriture est le premier médicament. Je ne connais pas un seul être humain qui peut travailler tant qu'il a faim. Une formation aux techniques de culture maraîchère qui s'est déroulée au centre d'apprentissage des métiers agricoles du PK8 du 20 février 2024 au 29 mars de la même année. Je suis votre parrain et je suis le DG de l'IGA. Maintenant, je prends le pari avec vous de vous accompagner à constituer des coopératives parce que c'est l'orientation que la tutelle nous donne. On accompagne, on vous amène vers les services centraux pour officialiser l'existence d'une organisation de producteurs agricoles. L'IGAD a pour mission de former les jeunes sortis de cursus scolaires, ceux voulant se lancer dans l'agriculture, de renforcer les capacités des agriculteurs déjà actifs, mais aussi d'accompagner les personnes formées et les suivre tout au long de leur parcours d'exploitation agricole jusqu'à ce que ces derniers soient à même de transformer leurs produits et surtout de transmettre leurs connaissances aux générations futures afin de répondre à la demande du marché national.